Emmanuelle Foulon, directrice juridique de CGN Europe Énergie. J'ai découvert la Chine lors d'un voyage d'études lorsque j'étais en école de commerce à l'Institut supérieur de gestion. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'évoluer vers un poste de direction juridique chez Valeo. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller travailler pour Exide Technologies, toujours dans le secteur automobile. Et puis, pour des raisons personnelles, j'ai choisi de reprendre le chinois au Langzhou pendant quelques années, tout en m'occupant de ma famille. Et c'est là que j'ai rejoint CGN Europe Énergie. Donc CGN Europe Énergie, c'est une filiale d'une entreprise publique chinoise. Je me suis vue confier la création de la structure dédiée aux énergies renouvelables. Donc au départ, il y avait 10 personnes dans la structure. Et puis ensuite, avec un objectif de croissance et les moyens, on a pu procéder à un certain nombre de recrutements. Donc aujourd'hui, on est 70 personnes. Et dans le juridique, on est aujourd'hui 4 personnes. Donc j'ai 3 juristes en interne et moi-même pour s'occuper de l'ensemble des activités de CGNE. C'est donc beaucoup de fusion-acquisition, d'acquisition de parcs éoliens et solaires en Europe. Donc c'est l'activité majeure de notre direction juridique. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le conseil, c'est-à-dire l'expertise. Le deuxième, c'est l'adaptabilité de mon conseil. Le troisième critère, c'est la créativité. Le quatrième, c'est cette dimension d'intuitu personae. J'ai eu l'occasion de travailler avec Rebecca Major sur des projets d'acquisition en Europe. Et ce fut un plaisir parce que j'ai pu découvrir ses qualités de négociation, c'est-à-dire beaucoup de fermeté, mais avec, dans la forme, beaucoup de douceur. Merci Emmanuel. Pouvez-vous nous dire quelques mots en chinois pour cette fin d'interview ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Toby Gossing, Herbert Smith Gay, Jacques Tihui, Lai, Tsanja, Jacques Mianche, Fei Chang Gansi.